Le pronom « en ». Veux-tu en savoir plus? C'est maman. Elle va faire les courses et elle fait une liste d'achats. Elle demande son fils Pierre. Est-ce que nous avons du lait? Oui, nous en avons. Est-ce que nous avons de la salade? Nous en avons un peu. Est-ce que nous avons des œufs? Non, nous n'en avons pas. Il faut en acheter. Le pronom « en » remplace un complément avec « de ». Eine Ergänzung mit « de ». Tu manges des frites? Oui, j'en mange. On met le pronom « en » devant le verbe conjugué. Est-ce qu'il y a du beurre dans le frigo? Oui, il y en a. Ja, es gibt welche. Non, il n'y en a pas. Nein, es gibt keine. Est-ce qu'il veut acheter beaucoup de bonbons? Oui. Il veut en acheter beaucoup. Non, il ne veut pas en acheter beaucoup. Wenn wir eine Konstruktion mit einem Infinitiv haben, steht en vor dem Infinitiv. Et maintenant, c'est à toi. Réponds. Tu manges des frites? Réponds oui, j'en mange. Ou bien non, je n'en mange pas. Tu manges beaucoup de légumes? Réponds oui, j'en mange beaucoup. Ou bien non, je n'en mange pas beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur ta table? Réponds. Oui, il y en a beaucoup. Ou bien, non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu as acheté du chocolat hier? Réponds. Oui. J'en ai acheté, ou bien non, je n'en ai pas acheté.